jodi a. Donc c'est un plaisir pour nous avec nous. Pour saluer ou même qui branche nous à travers internet là et ou même qui pral invite les amis ou vin brancher nous parce que chaque jour on a toujours là dans le ça pour nous présenter ou émission que Jardin Botanique lui-même li gen pour. Donc matin, on a gen un bel sujet, c'est sous aménagement département horticulture a vin présenter pour nous. Et nous avec directeur département, c'est un invité spécial matin qui pral di nous qui ça qui aménagement. Dit bonjour à Gonan Jones. Bonjour madame Misté, puis bonjour à tout le monde qui a regardé. Ça c'est un plaisir pour nous pour nous là aujourd'hui pour nous parler de ça aménagement. Moi c'est Sylvain Jean Jones, c'est responsable du département horticulture au niveau jardin botanique de Caille. Et c'est un plaisir pour moi pour nous dire un aménagement c'est c'est-à-dire différentes façons qui sont capables de décorer un espace pour côté un embellissement là-dedans. Donc, mais et aménagement, on a plusieurs erreurs qui fait surtout au niveau du pays. Et donc on a aménagement qui a une importance capitale en termes de touristes. Donc pour un touriste qui vient visiter le pays, donc premier ça va regarder, la regarder comment le pays a été aménagé, qui beauté qui a attiré les touristes pour qu'ils viennent visiter. Mais n'a regardé l'aménagement nous le plus souvent il y a pile erreur qui fait par exemple si on aménage une ville il y a une façon pour concevoir aménagement ça donc faut qu'on capable planter des plantes qui très résistant par rapport avec les cyclones et faut qu'on capable planter des plantes tout qui pas craser le plus souvent béton parce que nous connaît au niveau de ville toujours des béton qui fait dans route si on aménage une école il y a une façon pour aménager l'école là. Donc là où on aménage l'école ou planter par exemple mango là-dedans, ça peut arriver. Chaque fois qu'il y a un mango qui mit, si mon yo intention c'est tirer roche pour cueillir mango ça. Et là cueillir mango là, donc il y a cueillir mango mais il y a fond tête l'autre petit monde. Donc on pas capable planter des arbres fruitiers dans l'école là à un certain moment qui va le bailler fruit. Même gens pour l'hôpital, si on aménage l'hôpital, il y a des plantes qui sont capables de mettre dans l'hôpital là, mais il y a des plantes qui sont pas capables de mettre. Donc, par exemple, on prend un kenep pour mettre dans l'hôpital. Donc, quand le kenep l'a mis, les gens qui viennent à l'hôpital, la première intention la bien, c'est prendre le kenep là pour le manger. Alors que nous connaissons l'hôpital, c'est patient ou bien j'aime des maladies qui ont. Donc, il y a différentes façons qui sont capables de concevoir l'aménagement. Il faut que nous consulter des gens qui gagnent une compétence au niveau matière là pour que l'aménagement finisse peut-être 3 jours après ou bien 3 ans après. Et mon n'a pas dit mes amis qui comment te fait faire ça parce que garder des plantes qui mettait là pour soit qu'a craser caille moins soit qu'il cap bail problème au niveau la quoi et ça mandé tout pour que mon cap faire aménagement yo gon compétence là en botanique yo gon compétence en phytosociologie qui va permettre que yo capable manier plante yo et l'autre bagage encore faut que mon yo gagne compétence en mariage des couleurs. Donc, ou bien doit faire un aménagement, on est privé au planter, mais les plantes qui commencent à grandir à bailler fleurs. Donc, il y a des gens qui viennent paraître, qui regardent ça fait là, après que c'est n'importe quoi. Donc, ça m'a dit pour que nous contactions des gens qui ont une compétence dans le domaine là, qui pourraient permettre que nous avons un aménagement, non seulement un aménagement qui plaît aux gens, mais un aménagement tout qui plaît à l'environnement, qui pourrait causer dommage dans le futur au niveau des espaces là. C'est très bien à Genève, donc son très belle râlée ou fait sous aménagement. Même parce que si on a planté, donc il plante pied bois, est-ce que ça a des conséquences négatives sur l'environnement côté de planté, comme si c'est planté n'importe comment? Et normalement, pour planter une plante, ça demande pour une compréhension en termes de. Et en termes d'écologie. Parce que vous devez planter une plante au caille, donc la plante est développée très bien, mais les mal est fermé avec la plante, ça n'est pas développé parce que l'altitude n'est pas même, le climat n'est pas même. Il y a des plantes qui remettent côté qui fait chaud, il y a des plantes qui remettent côté qui fait froid. Donc ça fait obliger à avoir une compréhension là-dedans. Et ou bien doit planter plante là au lieu que vous pensez fait bien mais on fait plus mal à l'environnement parce que côté plante là planté à li pas bon. Imaginez vous prenez une plante qui gagne une canopée de 10 à 15 mètres et vous plantez bon trottoir côté que vous faites une route depuis qu'il y a vent ça arrive les capable racine ni arrivé tellement en profondeur les capable craser espace là. Donc faut que vous ayez une compréhension de qui plante doit planter. Et par contre, croissance plante, ça, c'est-à-dire comment plante l'en développer pour que ou même ou pas causer des dommages à l'environnement malgré que c'est bien qu'on soit fait. Merci à Gonan Jones, ou même qui a peine à suivre nous. C'est des sujets que nous avons démarré, c'est l'importance de l'aménagement gagné et comment on est capable de concevoir un aménagement dans quelque soit type d'espace que ou même ou gagné.
Agronome jeunesse, est-ce que comme si au cabaye moun yo un conseil parce que par rapport à toute sorte de dit là, il y a des gens qui juste planter pour planter, mais on pas connaît comment yo planter, qui j'ai de planter, qui j'ai de aménager bien entendu. Qui conseil ou capable bien pour interne bio qui ta remet, des fois on aménagement belle pas l'autre moun yo ta remet gagner. Ça arrive très souvent, on passe en côté mon aménagement, on veut que la caille moins belle comme ça. Mais gagne une étude pour que nous fait pour que nous capable connaître exactement aménagement qui caille tel monde dans telle position, est-ce qu'il a pas adapté la caille. Par exemple, pour qu'on doit faire un aménagement et pour sali côté qui gagne sable, mais aménagement ça il pas capable faire dans ville caille, il pas capable faire pour au prince parce que condition yo pas même. Donc conseil moi côté pour monde qui fait aménagement yo, c'est consulter des monde qui gagne compétence dans domaine là. Qui est capable d'orienter nous parce que ou bien doit faire un aménagement et avec des plantes désertiques qui vraiment belles par le fait que côté qui va faire aménagement il pas qu'à prendre des plantes ornementales qui nous connaît après tout temps yo, mais on capable de gagner des plantes qui sont capable agencer pour que aménagement ça même si pas mettre des plantes qui baillent fleurs mais aménagement ça les belles les monde paraît de répondre aux normes d'adie et pédologique sol là qui permettre que et moun nan li satisfait de ça qu'il fait. Donc chaque espace gagne façon que on ka aménager, il suffit que nous gagnions une compréhension, ça fait m'a demander pour contacter des monde qui gagne compétence dans matière là pour que nous capable faire des aménagements qui répondent aux normes pour que touristes surtout les viennent visiter soient capable de satisfaire à ça qu'il fait en tant qu'aménagement. OK, agronome jeunesse, nous sommes très compétents dans le domaine là, aussi directeur département horticulture, donc son horticulture. Est-ce que vous êtes capable de faire une référence pour que vous êtes capable de jeunir si vous avez besoin de faire une consultation, si vous avez besoin d'aménager un espace quelconque, est-ce que vous êtes capable de faire une contact? Nous sommes capables de jeunir sur 22 70 31 11, 32 44 65 65. C'est des numéros qui sont réservés. Donc si vous avez besoin d'une consultation, vous êtes capable de briller nous dans le numéro ça et nous prêts pour nous servir. Merci, nous connaissons le jardin botanique lui-même, donc ça, c'est travail par lui-même. Donc nous vous remercions pour ce côté avec nous aujourd'hui. Le numéro que vous êtes capable de contacter nous, c'est 32 44 65 65 43 09 28 09. À demain, si Dieu veut, pour une autre émission dans le même lieu. Merci.